Voici comment les Chinois adorent manger du poisson. Cette recette a de quoi plaire à tous. Des morceaux de filet de poisson sont frits, puis sautés avec des petits légumes, le tout bien assaisonné au sel, au poivre et à l'ail. Voici les ingrédients pour 4 personnes. Vous pouvez retrouver cette liste et d'autres recettes sur mon site web cookingwithmorgan.com. Je commence par mariner le poisson. Je coupe le filet de poisson en morceaux assez gros. J'épluche le gingembre. Je le râpe. J'en prends une cuillère à café. Je la mets avec le poisson. Puis j'y ajoute 1/4 de cuillère à café de poivre moulu, 1 cuillère à café de sel, 1 cuillère à soupe d'alcool de riz Shaoxing. Je mélange l'ensemble. Je filme et je laisse reposer dans le réfrigérateur pendant que je prépare les autres ingrédients. J'émince finement l'oignon. J'écrase les gousses d'ail. Je les épluche. Je les hache. Je coupe la moitié d'un poivron en petits cubes. Je cisèle la ciboulette. Je préchauffe l'huile à 170 degrés. Je sors les morceaux de poisson. Je les mélange brièvement. Je procède morceau par morceau pour éviter qu'ils ne se collent. Je prends un morceau de poisson. Je le couvre de fécule de maïs. Je le plonge doucement dans l'huile. Je les laisse dorer pendant 5 minutes. Je les sors. Je mets 3 cuillères à soupe d'huile dans une poêle chauffée à feu fort. Quand l'huile est bien chaude, je mets l'ail. Je remue de temps en temps. Quand l'ail commence à dorer, j'ajoute l'oignon, le poivron, une demi-cuillère à café de poivre moulu, une demi-cuillère à café de sel. Je remue pendant 30 secondes. J'ajoute le poisson et la ciboulette. Je remue pendant 20 secondes. Je coupe le feu. Je mets le poisson au sel et au poivre dans une assiette. C'est prêt. Servez-le avec un bol de riz. Chaque morceau de poisson frit est à savourer avec les petits morceaux de légumes sautés et bien assaisonnés. Cette recette réconciliera les plus récalcitrants avec le poisson. Bon appétit! Merci d'avoir regardé et de partager ma vidéo. Rendez-vous au prochain plat fait maison!